pour ça, j'ai utilisé la méthode du chaplin qui consistait à découper le mouvement en plein de comportements et de commencer du coup par des tout petits comportements, de cliquer ça et au fur et à mesure de se rapprocher du comportement final. Donc pour commencer, je vais essayer de mettre ma chienne dans une situation de réussite. Je vais pas mettre ma laisse à 3 km. La laisse, elle n'avait jamais vraiment fait. Vous voyez qu'au début, elle a surtout proposé des pattes sur la laisse. Elle pensait que c'était ça. Il y avait une indication en moins que d'habitude par rapport à chez moi. Parce que quand je fais ce genre d'exercice, je fais... Ha ha ha!
Salut. Salut. À bientôt. C'est Michel. Ça a été. Vraiment, vraiment réfléchir à ce qu'il doit faire. C'est un petit peu comme vous, en fait, quand on veut aller quelque part, quand on n'utilise pas de GPS, parfois on se trompe de chemin, mais la deuxième fois, c'est sûr, on trouve et on va au bon endroit. Mais si on utilise le GPS, on réfléchit moins, mais parfois on a besoin de l'utiliser plusieurs fois avant de s'en séparer pour être sûr de pouvoir refaire le chemin de A à Z. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'avais quelqu'un pour me tenir le micro ce matin. Non. Je vais me débrouiller autrement, c'est pas grave. Donc, bien sûr, j'ai mes petites récompenses avec moi. Snow, elle aime beaucoup cette plateforme, comme vous voulez voir, mais je veux vraiment qu'elle y aille en marche arrière et pas en marche avant pour compliquer les choses. Je vais essayer de cliquer en même temps, ça va être dur. C'est parti, Snow. Donc vous voyez, j'essaye de cliquer tous les petits mouvements vers l'arrière. Forcément, elle connaît un petit peu, elle a un petit peu du mal à juger la distance, mais ça va venir. J'ai mal cliqué, j'ai trop de choses dans les mains. Allez. Vous voyez que je lui dis vraiment rien, c'est elle qui cherche ce qu'il doit faire. La main. Il ne va pas tout de suite
faire le rapprochement avec la position et la réponse. On va falloir répéter beaucoup, beaucoup pour pouvoir que le, pour faire que le lien, pour que le lien se fasse, pardon, mais allez. Et on va aussi avoir beaucoup de mal à se séparer de la main. Il va falloir d'abord enlever les friandises, puis enlever la main, etc. Donc ça aide beaucoup plus de temps. On va voir le comportement final plus vite, mais le chien va l'apprendre moins vite finalement, alors que j'ai dit que ça aide plus de temps. Mais quand il va faire le comportement, il aura vraiment compris. Et il aura beaucoup plus réfléchi, ce qui fait qu'il se sera aussi beaucoup plus dépensé mentalement. Et ça, c'est très bien pour le chien, c'est vraiment important, aussi important finalement que la dépense physique. Elle est bien à dire bonjour. C'est bien le but. Donc voilà, avec le leur, on peut apprendre aussi plein de choses comme ça avec son chien. On peut apprendre à faire des slaloms comme vous avez vu. Voilà, on fait suivre le chien avec la friandise. On peut faire des petits... Elle veut faire d'autres choses, mais on peut faire des petites variantes. Voilà, il y a vraiment possibilité avec le leurre déjà, mais après, il faut pouvoir s'en passer. Contrairement au shaping, où, comme je disais, on n'a pas besoin de ça. Et surtout, on a aussi beaucoup moins de limites, puisque ça va être compliqué de faire lever une patte arrière à un chien au leurre, parce que je ne peux pas trop guider la patte avec une friandise finalement. Donc voilà un petit peu pour ces méthodes. C'est très succinct parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. On peut faire des stages de plusieurs jours, voire semaines sur le sujet. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir mon site lejardinosnow.fr. Il y a pas mal de petites infos que vous pouvez trouver là-dessus. Et voilà, j'espère que